Le sexe et l'effroi, de Pascal Quignard chez Gallimard, apparaît tout d'abord comme un objet inhabituel. Format allongé dit à l'italienne, impression blanche sur papier noir, iconographie de toute beauté. Romancier et scénariste comblé, il est l'auteur de Tous les matins du monde, Quignard revient à l'une de ses prédilections, la Rome antique. Il s'agit d'une réflexion sur la fascination et l'effroi, le désir et la jouissance, tels que vécus par les Latins dont les tabous n'avaient pas grand-chose à voir avec les nôtres. Chez les hommes libres, seule la passivité est condamnable et la sexualité n'est en rien différente de la bisexualité. Quand Antoine prend le pouvoir, une fois maté le Sénat et l'armée, il réglemente la vie intime de ses concitoyens. Réprimant la vie sexuelle, il installe son pouvoir en une dialectique qu'étudiera lumineusement un Michel Foucault. Il n'est plus de sexe qu'en l'empereur. Et c'est sans doute pour cette raison que la poésie d'Ovide, insoumise, paraît si proche de ce que nous sommes. Les Romains n'ont jamais répudié la bestialité qui est en nous, bien au contraire, ils l'ont célébrée.